Bonjour à tous, ici Victor. Non, je suis pas encore mort. Et nous sommes vendredi 13 juillet. Sur la Xbox One, tout simplement, pas la X, non. Bon, j'ai des problèmes de mouche. De temps en temps, vous entendrez des coups de torchon, j'ai des problèmes de mouche. Il y a une mouche, elle doit rentrer le soir, qu'on laisse la porte ouverte, et puis, je sais pas. Alors, voilà, Infinite Warfare. Donc, puisque World War II est une véritable daube, une véritable merde. C'est une espèce de mauvaise copie de Battlefield 1. Ils n'emploient pas les fonctionnalités telles que la profondeur de champ dynamique, c'est-à-dire le fait d'avoir un premier plan en arbre net, et puis là-bas au fond, comme dans Battlefield 1, les djebels, les montagnes nettes. Ils n'emploient pas des fonctionnalités fantastiques. Alors je raconte pas la X qui est encore plus puissante. On va y aller. Je vous promets rien du tout. On vous a manqué ? Ouais. Alors. Moi, avec mon petit niveau 7, hein, ridicule. J'ai jamais joué. Je détestais ce jeu quand il est sorti, mais quand j'ai vu World War II, alors je l'avais déjà, je l'ai racheté pour avoir droit à MW. Parce qu'à l'époque, il était cher. Hein. Pour avoir MW en plus. C'était Chéreau, donc je m'étais replié sur la version ordinaire. Alors, tous les flippés sont là. Voilà, hop là, coucou. D'abord, la carte, je la conchis, je la chie. Ça bouge de partout, hein, les kikous, hein. Bon, la carte, je la connais même pas, donc c'est même pas la peine. C'est comme si je la découvrais en mode local. Ah non, okay, putain, quelle carte pourrie, oh là là. Oh putain, c'est pour jouer du couteau, là, hein. Oui, c'est moi, c'est Victor. Donc il y a des problèmes IRL, hein, des problèmes IRL, tels que par exemple un voisin qui a créé un escalier en face de chez moi. Vous n'avez pas tout donné, que ça vous serve de motivation. Un voisin qui crée un escalier, même s'il est métallique, démontable, bon, il le fait devant une maison d'habitation, alors que lui c'est une grange qu'il essaie de transformer en studio. Donc il y a une expertise qui aura lieu au mois d'août. Je me laisse pas faire. Hein. Si par malheur la loi était pour lui, ce qui m'étonnerait beaucoup vu le règlement de la zone, bon, on verra. Hein. Ils sont sans gêne, hein. En plus il a, on est dans des garrigues, donc il y a ce qu'on appelle des chemins de service, c'est-à-dire des espèces
de petites routes en terre qui séparent les parcelles. Et ils se permettent comme ça de fabriquer des murs, des clôtures, comme ça, sans demander la permission, alors que l'urbanisme local ne permet pas, quoi. Attention, on a reçu des consignes. Ça va les Kikou, là, on y va là-haut. Oh là là, choisis, si regarde, s'ils peuvent trouver des nullards comme moi, là, ils en vivent. C'est comme les fouteux, pareil, les fouteux, ils s'imaginent parce que ils prennent leurs désirs pour des réalités, quoi. Alors, la France va gagner par rapport à la Croatie. Vous croyez que la Croatie va se laisser faire alors que c'est la première fois de son histoire qu'ils sont en finale de Coupe du Monde? Mais ils vont tout faire pour la gagner. Et je pense, je vais vous donner un diagnostic, je peux me tromper, hein. Croatie 2, France 1. C'est tout, c'est terminé, quoi. C'est terminé, on ira se coucher et puis c'est tout, quoi. Et on pleurera, enfin, les supporters pleureront comme d'habitude, quoi. Ils vont s'arracher les cheveux comme si leur vie en dépendait. Il ferait mieux d'étudier, de bosser, d'essayer de se qualifier dans leur job, plutôt que d'espérer en 11 types qui tapent dans une balle de cuir. Non mais réellement, quoi. Moi, quant à moi, les sports, je vais vous dire, c'est le vélo. Et puis, bon, si un jour je peux le pratiquer, le golf. Le vélo, parce que je l'ai pratiqué en région parisienne, en vallée de Chevreuse. Et je sais les efforts que ça coûte quand vous vous payez 120 km dans les pattes. Surtout que c'est vallonné, la vallée de Chevreuse. Hein. C'est bien pour se laisser glisser dedans et après il faut la remonter. Hein. Alors vous voyez les mecs arriver, bon c'était à l'époque. De toute façon ça doit continuer, ils ont leur petite voiture, leur galerie. Ils arrivent tout frais en bas de la côte et puis vous les voyez, ils vous doublent. Et vous venez de Paris, vous avez déjà au moins 25 km dans les pattes et les mecs ils vous soufflent devant, ils rigolent presque. C'est des vrais connards quoi. C'est des dobards, quoi. Je parais que maintenant, avec l'âge qu'ils ont, bon, la moindre bière, elle les fait péter pendant une heure. Il y a une mouche qui m'emmerde, hein. C'est pas marrant. Hein. Oh là, elle est partout, elle saute sur moi, elle est partout. Oh, j'ai chassé la mouche. Alors. Ah, c'est mignon ce truc-là. Allez, on y va. Des ennemis à la gare. Putain, la mouche, elle revient. Oh non, c'est un... J'arrive pas à la chasser, hein. Elle est toujours là, hein. Toujours. Ça fait des heures qu'elle est là, hein. Je vais pas phytoxer parce qu'il fait une chaleur d'enfer, on peut pas aérer. Phytoxer, excusez-moi du terme, je vais pas mettre Red tu mouches de chez Johnson ou je sais pas trop quoi, de chez Acto, pour m'empoisonner moi-même et la mouche elle est encore là quoi. Il m'a vu monter sur le truc. Je tire pas sur le décor, Victor. Victor, tu as mis le corps. Oh putain, maintenant il me butine notre tranche. Je crois que je vais phytoxer.
Non, c'est un collègue. Je me suis demandé pourquoi ce barjo il me tape dessus. J'arrive quand même avec une coupe pourrie à jouer un peu, hein. Enfin, j'ai 8 mégas, mais bon, je les ai pas réellement, quoi. Des fois, on a à peine 2-3 mégas, hein. C'est incroyable. Orange fait pas son travail, hein. Il nous en donne pas pour son pognon, hein, pour notre pognon, hein. Allez, enlève-toi. Là, il m'a eu, là. Il m'a eu. Putain, là, j'ai pas compris. Ok, c'est honorable. Alors. Oh, et j'ai remarqué que dans Infinite Warfare, il y a des décors qui ressemblent. Alors, ne me demandez pas quel opus de Call of Duty. Il y en a qui ils ont bien mis au goût du jour, hein. C'est mignon comme tout. Hein. Drone ennemi à proximité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, putain, il me butine la joue. Oh merde, non, c'est pas possible. C'est l'enfer. Hein. Je vais être obligé de gazer. Hein. C'est l'enfer. Hein. Elle partira pas sans ça. Je vais. Vous êtes à mi-chemin. Continuez. Oh, j'ai fait la mouche pour quelques secondes. Pas jouer, vraiment, c'est horrible. Drone ennemi. Il m'a eu dans le 1-1. Pas le temps d'admirer comme une tue. Couvrez-moi, je me déplace. Scarab ennemi actif. Elle est sur mon doigt, elle est sur ma main, elle est sur ma tête. Ça n'arrête pas, hein. Il va falloir que je la fasse tout en direct. Là, après, 10 minutes après, elle va crever. L'ennemi a un colis de drone. Ah, c'est toujours le même. Appui par drone allié actif.
Oh putain, cette mouche. Non mais... Oh ! Oh ! C'est pas vrai, quoi. Je vais gazer, tant pis, hein. Oh ! J'ai presque failli l'écraser entre mes deux doigts. Hein. Dès qu'on leur touche les ailes, ça y est, ça les diminue. Quoi. Appui par drone aliasté. Oh non, bon, allez, me tarde que ça s'arrête parce que là, il faut que je. Voilà. Allez, je vais gazer, puis je vais sortir dans le jardin. Je vous dis tchaouette, cacahuète, hein. Que les mouches vous bouffent pas, vous. Hein. Bien joué. Retour au commandement pour débriefing. Tâchons de voir ce qui n'a pas marché pour y arriver. Commandement nous envoie une mission.